Hey, salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode, donc parmi cette grande foule. Et c'est parti, donc notre mission, c'est de protéger ce peuple. Minasan. これから発する私のメッセージが全世界の皆さんに届くことを祈ってやみません。世界は今光を失いつつあります。このままでは世界は闇に覆い尽くされてしまうでしょう。闇は人の心に争いや悲しみを生むのです。ルシスで起きた悲劇、停戦協定を結べず、多くの人々が命を失った。あの日の悲劇のように。ルーナ。でも、どうかご安心ください。私たちには、大いなる神々のご加護があります。闇を払い、星々の光をよみがえらせ、世界をお守りくださる神々の御力があるのです。私はここオルティシエに眠るアラブル水神リヴァイアさんの御力をお貸しいただくために参りました。私はこれから水神との対話の儀に臨みます。そして今、ここにお約束します。カンナギの誇りにかけ、世界から闇を払い、失われた光を取り戻すこと。からも見えてる。揚陸艇に近づけそうな高台を目指せ。すぐにそっちの港に入ってくるぞ。ああ、そっちは頼んだ。うん、任しとけ。始まるんだね。我が名はルナ・フレーナ。カンナギの血を引く者、水神リヴァイアさんよ。王に聖石の力を迎えるため、どうか受けよう。Let's go.
et c'est parti pour les combats, les amis. Alors, cette scène me fait vachement penser à ce qu'ils avaient annoncé. Pour ceux qui ne regardaient pas les trailers, c'était le combat qui montrait en démo. Et franchement, ça promet du bon. Bon, là, on va se battre comme on peut tout seul. Faut savoir que je suis pas très bon en solo. Mais bon. J'ai l'impression que c'est un peu l'argicodag. Donc, ça, c'est cool. Ok, on avance. Ok, nickel. On va les enchaîner comme ça. Allez, hop. Nickel. Je kiffe les dagues. Franchement, depuis que j'ai commencé à équiper les dagues, je me fais un kiff, mais total, quoi. Allez, c'est qui veut me tirer dessus? Alors, c'est eux que je veux savoir à quoi ils sont allergiques. Ok. Hop. On va faire un peu le nettoyage. Ok. Ok, j'ai plus de PM. Cela m'empêchera pas de te faire ta misère, petit tireur de... Ok, le Léviathan est juste là. それはお前も承知だ。人はその慈悲ゆえに神を崇め。神は人に慈悲を与えてこその神。 王は必ず神にその証を見せる。
力がいるんだ。
指を出しな。じゃあいいや、君が渡しなさい。クリスタルも取り戻すよ。いい、早く来いよ、ノクティス様。
ノクティス様。ルーナ。ここにいらしたんですね。うん、ルーナも。もう一度お会いできるなんて思ってもみませんでした。え？どうして？私はもうカンナギの使命を終えたから。終わっても一緒にいられるでしょ。神々はノクティス様の力を認めました。そして指輪もあなたの手に戻ります。皆さんのところへ戻られたらテネブラへをお尋ねください。たくさんの花がノクティス様をお出迎えしますから。ルーナは？あなたが会いに来てくださったこと、私はそれだけで十分です。なんで僕は死んでもルーナを助けたかったのに。もし心細くなってしまったら、私を思い出してください。これからは少しだけ離れた場所からあなたのことをお守りします。さようなら、ノクティス様。おはよう。二人に知らせてくる。少し時間がかかるが。怪我したのか？大規模な戦闘だった。仕方ないさ。ルーナは？亡くなられた。アンブラがそれを。
これさ、テネブライにもよるんだよね。その前にカルタナティカの駅に降りる。本当に寄れるの？傷は落ち着いた。視力だっていずれ。お前何様だよ。あ？テネブライには寄らねえぞ。いい加減切り替えらんねえのか。切り替えたから乗ってんだろうが。切り替えた奴が今一番大変なあいつに声の一つもかけらんねえのか。話せ。指輪はどうした？大事に持って歩くだけだ。命と引き換えに届けられたもんを眺めてるだけで責任が果たせんのか。そんなこと分かってんだよ。分かってねえ。イグニスは何のために傷を負った？やめろグラディオ。どこの世界にこんなだらしねえ王様がいる。めえ、やめなよ。全部分かってんだよ。全部だったら腹くくれ、この大バカ野郎。あ、ノクト、ほっとけ。
on fait une petite pause pour faire un point sur ce qu'on vient de voir en fait. Donc on a fait le combat, donc Luna Freya a fait apparaître donc Lydraine, qui est une qui a été une sorte de qui est un dieu en fait pour avoir sa faveur. Donc au début du combat, j'ai pas trop compris ce qu'il fallait faire. Je pouvais switcher de zone à zone, de petites zones qui survolaient un peu l'eau. Je pouvais tomber dans l'eau, je mourrais pas, il y avait pas de souci. Et en fait, je comprenais pas ce qu'il fallait faire. Il y avait pas de cutscene, il y avait pas de QTE. Et pour attaquer l'hydre, c'était un petit peu difficile. Je me disais, bah, on peut pas l'attaquer parce que j'appuyais sur triangle en l'avisant, je m'approchais d'elle, mais je pouvais rien faire. En fait, tout simplement, pour ceux qui sont dans le même cas que moi, il faut juste rester appuyé sur le rond, donc rond enfoncé. Et en fait, le combat va s'enchaîner. C'est-à-dire que ton personnage va attaquer, va faire les esquives et les téléportations qu'il lui demande. Par contre, dès que ta barre de PM tombe à zéro, n'hésite pas donc à repop sur une plateforme pour prendre ton énergie et ta vie que tu aurais perdue en fonction de la riposte de l'hydraine. Donc voilà, rien de plus simple. À un moment, tu feras aucun dégât et tu vas me faire un peu une lésion où en fait l'hydre va s'énerver et va te one shot. À partir de là, donc vous savez ce qui s'est arrivé pendant la cinématique. On a été trahi, donc enfin trahi, c'est un grand mot. On faisait un petit peu confiance au mec de l'Empire, ce charmant inconnu qui s'appelle Adrin, qui donc plante un bon coup de poignard à Luna Freya. Je pense qu'il a provoqué sa mort par la suite. Et dans tous les cas, on a ensuite hérité des pouvoirs des différents anciens rois avec toutes les armes que les armes fantômes qui étaient autour de nous. Et en fait, là, plus rien, plus simple, vous visez l'ennemi, vous restez appuyé sur rond, et en fait, toutes les armes vont l'attaquer, vont enchaîner des attaques explosives. Vous pouvez aussi vous rapprocher de l'ennemi et l'attaquer à coup d'armes au corps à corps, mais vous perdez rapidement de la vie car plus vous rapprochez de l'hydre, plus elle devient vraiment offensive. Rien de plus simple, vous bousillez toute sa vie avec ces attaques là et après voilà, cinématique, et on a appris donc que Luna Freya a sacrifié sa vie pour sauver la nôtre, même malgré que les dieux dont on a déjà eu la faveur sont venus nous aider, nous protéger. Donc au final de ça, je pense qu'on a eu la faveur de Lydraine vu qu'on l'a looté. Donc à voir avec le temps ce qu'on va looter. Et là, on se dirige vers la capitale des Niphelem. Et voilà, ce sera tout pour cet épisode. Donc cet épisode qui était concentré sur Lydraine. Au final, un combat qui m'a un petit peu déçu. Comme je vous l'ai dit, pour moi, c'était un peu le combat qu'on m'avait présenté en démo aux différentes conventions. Et je suis un petit peu déçu parce que sur les combats de la convention, tu avais des combats un peu plus stylés. Tu pouvais montrer sur l'hydre, tu pouvais monter sur ses ailes. Voilà, tu avais des combats un peu à la God of War. Et c'est dommage que, en fait, on est là juste à spammer sur un bouton rond. Peut-être j'ai raté quelque chose, je sais pas. Mais en tout cas, un petit peu déçu. On passe à la suite dans le prochain épisode, et sur ce, bye !